C'est ce qu'on appelle la maniabilité à cheval. On est loin des compétitions et des courses, ici quelques exercices à effectuer pour mettre en avant la complicité entre le cheval et son cavalier. Et les cavaliers, mais surtout les cavalières en nombre, sont venus de toute la Corse. C'est un bon travail pour s'améliorer avec le cheval, avoir de la confiance et tout. Et voilà. Et avec ce cheval, ça se passe bien? Oui, c'est nickel. Comment il s'appelle? Chichai. Démonstration de cheval, tundera ou dressage canin, les ateliers de ce genre se sont succédés durant 4 jours. Mais autant le dire, ce qui domine ici, ce sont les plaisirs du ventre. À perte de vue, des stands en tout genre proposant des produits corses, mais aussi les classiques du genre. Les foires comme celle de Saint-Pancras sont devenues un rendez-vous incontournable pour ces professionnels. Ce sont les plus représentatives, avec celle du Niol ou celle d'Île-Rousse. On a fait Artégouste, là, il y a quelques jours, parce que c'est une vitrine pour les mariages, pour d'autres manifestations, pour les touristes aussi, pour leur montrer qu'on a des valeurs, qu'on a des coutumes et qu'on les entretient. Les coutumes et puis les manèges, par dizaines, jusqu'à parfois se croire à la foire du trône et plus à Castellar et Dikazink. Mais les visiteurs en redemandent. Et puis, année après année, pas très loin, l'église et Saint-Pancras veillent toujours, histoire que ceux qui préfèrent les cierges au gaufre Nutella trouvent aussi leur place.